Salut, c'est VKL de chez Bigenius. On va affronter Vexed dans quelques minutes. Et pour faire un peu simple, on est très peu préparé. On a eu que 3 semaines, 1 mois depuis la création de l'équipe. Donc on a travaillé 4 maps en travers un petit peu. Donc voilà, on a eu un veto où on s'attendait à avoir ces 3 maps-là. On reste confiant, on sait qu'on peut le faire. On a une bonne revanche à prendre depuis qu'on les a joués lors des championnats nationaux en saison régulière. On a pris une bonne fessée, donc voilà, on a gros sur le cœur et on est confiant pour le match. Et si jamais on réussit à passer ce cap contre LDLC, ça sera, je pense, un défi au-dessus. Ils sont quand même bien préparés, ils jouent beaucoup, ils font des bonnes performances en ce moment, ils sont pour moi en bonne forme. Donc ça sera un bon match à voir. Pour nous, une bonne expérience aussi. Merci. Jarod, on va attaquer le match de demi contre Bigenius et on attaque sur Train. C'est la map de Bigenius qu'ils ont pick. C'est une map qu'on joue aussi. On va se battre dessus. On verra qui va sortir gagnant de cette première map. Et derrière, on enchaîne sur Cobble, qui est notre map. Et là, on est super confiant sur Cobble. Et derrière, la dernière map, c'est D2, il me semble. Donc voilà. On est préparé. On a eu plus de temps de jeu cette fois-ci qu'à l'ESWC. On a mis des choses en place. On va voir ce qui se passe. Et on espère gagner. La finale, avant de parler de la finale, il faut d'abord que je gagne contre Bigenius et on verra après, c'est match par match. Hein. On sous-estime absolument pas Bigenius parce que c'est une bonne équipe avec des bons joueurs. On verra ce qui se passe après ce match-là.